Bonjour tout le monde. Alors, prochaine vidéo. Une fois qu'on dit que Jésus est mort, il est ressuscité, par la suite, on a ce passage avec l'Esprit Saint qui vient donner le courage aux apôtres de commencer à témoigner de ce qu'ils ont vécu avec le Christ. Ben, on devient ce qu'on appelle l'Église. Et quand on parle d'être l'Église, on peut l'écrire l'Église avec un petit e minuscule ou avec un grand E majuscule. La petite e, c'est la bâtisse. Ça, à la rigueur, pour le croyant, la bâtisse, elle est secondaire. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est ça ici, l'Église. C'est-à-dire le peuple de Dieu, le peuple des baptisés qui, ensemble, croyons et ensemble, tentons d'incarner le visage bien-aimant de Dieu pour le monde. C'est ça qui est important pour nous. Alors, une fois qu'on dit que on est rendu dans le temps de l'Église, on parle souvent du droit d'aller communier ensemble. Mais en même temps, le plus important, c'est peut-être pas tant le droit que c'est quoi la responsabilité quand on va communier ensemble. La responsabilité qu'on a, c'est d'être ensemble le visage bienveillant de Dieu pour le monde. Comment ensemble on va s'occuper de celui qui a faim, qui a soif, de celui qui a besoin d'être accueilli ou besoin d'être visité? C'est ça qui devient important. Quelle est cette responsabilité-là que nous portons ensemble? Alors, je prends le temps de vous lire une chose qui me semble importante. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, le critère premier du chrétien, ce n'est pas d'être un baptisé, ce n'est pas d'aller à la messe, ce n'est pas de dire son chapelet ou de faire le Notre Père. Le critère premier, c'est d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Alors, comment on va faire pour que ça soit une évidence pour tous les gens autour de nous? L'autre chose que j'aimerais prendre le temps de vous lire, c'est ce qu'on appelle un peu la première définition de ce qu'est être un chrétien. Ça se retrouve dans le livre des Actes des Apôtres. Donc ça, juste après les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on retrouve ce livre-là, les Actes des Apôtres. C'est le début de l'Église. Alors, au tout début du livre, on va beaucoup suivre Saint-Pierre, qui est le principal apôtre, chef des apôtres, donc celui qui va consolider un peu l'Église après Jésus. Et après ça, on va suivre beaucoup Saint-Paul. Saint-Paul, c'est celui qu'on appelle l'apôtre des païens. C'est-à-dire celui qui, plutôt que consolider ce qui existait au temps de Jésus, va partir partout dans le monde connu pour essayer de créer des églises. Alors voilà. Donc, on retrouve ça en acte 2. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tout croyant était uni et partageait entre eux ce qu'il possédait. Donc, essentiellement, dans l'Église, on va dire qu'il va y avoir quatre grandes façons d'être des croyants. Un, se mettre à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Donc, ça, c'est peut-être le premier point. Un chrétien, ça devrait réfléchir sa foi et ça devrait essayer d'approfondir sa foi. Ça, c'est très important. J'aime bien donner cette réflexion-là, peut-être plus pour les parents que pour les enfants. C'est que un chrétien qui est bien dans sa vie spirituelle devrait être un iconographe iconoclaste. Un iconographe, c'est celui qui fait une image de Dieu. L'iconoclaste, c'est celui qui la brise. Sans être fidèle à l'enseignement des apôtres, c'est prendre le temps, un peu tout au long de notre vie, de confronter notre image de Dieu avec d'autres textes, d'autres réflexions, avec la Bible, pour sans cesse renouveler notre image de Dieu et toujours l'affiner. Alors, le deuxième point dans le texte qu'on lisait, c'était à vivre dans la communion fraternelle. Donc, le deuxième grand point, c'est ce qu'on va appeler la fraternité. Un chrétien tente de considérer tout un chacun comme son frère.
Est-ce qu'on laisse son frère sans nourriture? Est-ce qu'elle laisse son frère dans la peine sans l'écouter? Donc, la fraternité, c'est très loin. Alors, il faut essayer de dynamiser nos communautés chrétiennes pour que nous soyons vraiment des communautés de frères et sœurs et pas seulement des gens qui assistons à quelque chose ensemble. Alors, ça, c'est important. C'est un des beaux défis que nous avons. Prendre part au repas commun, donc le partage du pain que nous avions dans la messe. Donc, le partage du pain. Un chrétien, ça célèbre sa foi. On ne le célèbre pas tous de la même façon, on ne le célèbre peut-être pas tous aussi souvent, mais un chrétien devrait trouver le moyen de célébrer sa foi. Et je te donne des exemples. Il y a des gens qui vont célébrer tous les jours, toutes les semaines, d'autres vont célébrer Pâques et Noël, d'autres qui vont célébrer les grands moments de leur vie. Ça appartient à chacun. Mais le chrétien va trouver le moyen de célébrer. Je donne des exemples rapides. On veut célébrer ta naissance, ben on a peut-être célébré ta naissance avec un shower, on célébrait ta naissance en fêtant tes anniversaires chaque année, mais on a peut-être aussi célébré ta naissance avec le baptême. On célèbre l'amour. Moi, comme homme marié, je célèbre la Saint-Valentin tous les années. On a tendance à avoir à souligner des fois notre anniversaire de rencontre ou des petites choses comme ça, mais on a aussi décidé de célébrer notre amour avec le mariage. Et donc, un chrétien, ça célèbre. On essaye vraiment de marquer certains moments avec Dieu. On veut que Dieu soit dans le coup. Célébrer, ça veut dire rendre célèbre. Alors, nous, quand on fait la célébration, mettons de ta première communion ou de ta confirmation, ben, on veut en quelque part te mettre au premier plan, de faire de toi la vedette du jour et de dire que tu es important pour ta famille. Alors, et pour la communauté chrétienne aussi, c'est vrai. Alors, quatrième et dernier, c'est la prière. Donc, un chrétien devrait souhaiter vivre sa vie en relation avec Dieu. Alors, pour moi, le plus beau défi, c'est d'être capable de faire place à des petits espaces, des petits temps d'oasis, où est-ce qu'on fait place à Dieu. Une des grandes spirituelles du 20e siècle, qui s'appelle Madeleine d'Albret, elle disait, vous savez, un métro qu'on rate, c'est un rendez-vous imprévu avec Dieu. Et je pense que c'est peut-être ça le défi dans notre monde, où est-ce que grâce au cellulaire, grâce à pleine technologie, on peut plus se permettre de s'ennuyer. Alors, il y a un temps d'intériorité qui a été un petit peu comme compressé à cause de ça. Comment on réussit à se retrouver des temps, des petits temps perdus à gauche, à droite, pour oser dire merci Seigneur, je viens de vivre une belle rencontre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cet ami-là. Je suis content d'avoir pu vivre ça. Ou sortir d'un cours d'éducation physique en disant, hey, ça fait du bien. Je me suis donné physiquement, je me sens en pleine forme, je me sens en vie. Ça aussi, ça peut être le fun. Donc, être capable d'avoir ces petits moments, ces espaces-là fugaces dans notre journée où est-ce qu'on dit à Dieu, hey, merci. Je suis heureux d'être en vie, je suis heureux d'avoir ce que tu me donnes à vivre. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée.